Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On continue l'aventure du jeu American Maggie Alice Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Un reflet peut parfois s'avérer plus réel que l'objet dont il est l'écho. Ah!
J'arrive d'où ? Probablement inutile. Oh, oh. Je vous en prie, libérez-nous de cette machine infernale. Ou alors donnez-nous du thé, si vous préférez. Avez-vous été impoli à table ? Avez-vous fait du bruit en avalant votre thé ? Confessez votre crime. Nous n'avons rien fait de la sorte. C'est le chapelier. Il est vraiment devenu fou, si vous dites. Oh, à propos, en quoi la reine de cœur diffère-t-elle d'un typhon ? Les deux sont puissants, destructeurs et d'une cruauté aveugle. Mais le typhon ne le fait pas exprès, lui. Bonne réponse. C'est fou, mais c'est bon. Oh, je vous prie de m'excuser. Vous êtes vraiment en danger. Où se trouve votre hôte ? Vraiment en danger ? Ah bon ? Vraiment ? Lièvre, je veux rentrer à la maison. Il est clair que nous sommes tous les bienvenus ici. Le chapelier fera là à 6 heures, précis comme une horloge. Il n'aura donc une occasion de nous faire lutter. C'est terriblement cruel. Et ces médicaments me donnent envie de dormir.
rapide comme Mercure et accessoirement complètement cinglé. Il est obsédé par le temps. Trouve-le, sinon tes minutes seront comptées. Ces deux ne semblent pas réaliser la gravité de leur situation. Ce sont de sombres idiots. Mais le chapelier vient toujours à 6h pile. Pour le thé ? Non, pour jeter un coup d'œil à ses cruelles expériences. Avec ses engrenages, ses ressorts, ses leviers et ses gadgets mécaniques, il cherche à atteindre une précision impossible. Comme un horloger obsédé par d'infinitésimales fractions de secondes, ou un mathématicien à la recherche de la quadrature du cercle. Il va transformer tous les habitants en automates, ou les tuer en tentant de le faire. Mais c'est horrible! À 6 heures, dites-vous? 6 heures précises, sur cette horloge. Il sera 6 heures un peu plus tôt aujourd'hui. Thank you.
Déjà là? Comment ça va? Arrête là en 10 minutes. Tu vas trouver qu'est-ce qui se passe à faire là. T'arrives-tu de jouer? Non. C'est rare, t'es là. Je finis dans 10 minutes. Putain, c'est ce que j'ai dit. Bon. Je sais pas quoi faire ici. D'après moi, faut peut-être geler ça à 6 heures. Non, calice. Non, zéro ça. Pourquoi je peux pas jumper là? Ça, c'est quelque chose. Ok, saute pas dans le feu, c'est pas une bonne idée. Tu ben, je vois sa chaise. Ah, ah, ok, ça jump les chaises. Ça, ça calme, hein, tabarnak. Ah! Si je l'éteins. Ça marche pas. Allez, j'ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée. À moins que je refroidis le thé. Ah, je l'ai ouvert, tu sais. J'ai dit ça pendant les jeux. Tu fais de quoi, mais tu sais pas quoi c'est à faire. Six heures. Là, je suis à une claque de mourir. Hein.
Ah, je suis plein. Ah, faut que je pogne ça, ok. Il ne manque plus que l'œil du bredou locheux pour compléter le bâton. Bien qu'il en ait deux, j'ai cru comprendre qu'il y tenait beaucoup. Je ne pense pas qu'il change d'avis avec le temps. À propos, où est passé le chapelier ? Oh. Bon. Un tabarnak. Ah ouais, ça en mord. Il est là, pourquoi qu'il est là? Ah, ça va, ouais. Fuck you! Il ne manque plus que l'œil du bredou locheux pour compléter le bâton. Bien qu'il en ait deux, j'ai cru comprendre qu'il y tenait beaucoup. Je ne pense pas qu'il change d'avis avec le temps. À propos, où est passé le chapelier ? Il lançait rien tout à l'heure, il lance de quoi? Wow.
plus que l'œil du brodeur-le-chaud pour compléter le bâton. Bien qu'il en ait deux, j'ai cru comprendre qu'il y tenait beaucoup. Je ne pense pas qu'il change d'avis avec le temps. À propos, où est passé le chapelier ? Il n'y a pas ça le feu. Et encore lisse. Je me suicide en plus. Il allait vite, là, il était magané. Là.
Ah, yes. Marche pas. Tu me fucking yes! Pourquoi c'est là, ça? Brûle. Je m'en l'ai eu!
Oui, je l'ai eu, Turbo. Tu vas faire quoi, Star? Le pas en-tu à Paris? Ok, mais qu'est-ce que je fais? Gummy tree, what's up? Ah. Fais-tu exprès, tabarnak? Cette montre unique arrête le temps pendant un certain temps. Contrairement à la mort, le temps continue. Ceux qui étaient immobiles bougent avec le temps, à moins d'être mort. Avec ma gratitude, je vous offre mes services. Ne faites des promesses que si vous êtes prêt à les tenir. Ma destinée est d'affronter la Reine Rouge. L'issue de ce combat est incertaine. Vous ne combattrez pas seul. Permettez-moi de vous servir de commandant. Je rassemblerai les forces dont votre courage et votre valeur ont déjà conquis le cœur. Que faut-il faire pour aller au combat? Pour attaquer la reine, il faudra forcer les portes de son royaume. Seul le bâton de l'œil du Bredou Locheux détient ce pouvoir. Si vous ouvrez les portes, je mènerai vos troupes vers la victoire. Ensemble, nous redresserons les torts de ce monde. J'essaie de sauvegarder, j'ai battu le boss. Je pensais que je le battrais pas, si j'ai réussi à le battre. Recrutez autant d'alliés que vous le pourrez, Alice. Toute aide nous sera utile. Je reviendrai avec des renforts. Courage. Donc c'était tout pour le jeu American Maggie Alice Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!